Et bonjour. Il est 8h12. J'ai dormi comme un loir. Par contre, je n'ai plus de pression d'air. Par contre, j'espère que le client m'a laissé ma remorque. Ouf. Alors, je ne sais pas si l'entreprise m'a gardé ma remorque pour aujourd'hui. Je devais partir pour Zadar en Croatie normalement. Effectivement, là en fait j'étais rentré dans mon ordinateur pour sélectionner la remorque parce que en fait tout aujourd'hui est informatisé. En fait, c'est je rentre dans le PC pour sélectionner la bonne remorque pour ensuite voilà qui me l'indique sur quel quai ma remorque est. J'abaisse les essieux pour que ça soit plus facile à rentrer, sinon ça risque de bloquer. Voilà, ça c'est bon. On attelle. Et bah c'est parti. Alors, on en a pour 461 km, 13h38 de route, en sachant qu'il y a une partie qu'on va faire en ferry. Merci Mich Mich. Alors, je sais plus dans Ah oui, mais on a créé un bouchon là. On a créé un bouchon. Attends, je me recule. Et je vais un peu plus me mettre sur le déco. Comme ça, les gens ils peuvent passer. Toi, voilà, passe. Comme ça, moi je me remets correctement. Et c'est cheaper. Alors, non, en agglomération, je le rappelle, en agglomération en Italie, c'est limité à 50 km/h.
Sur les ronds-points, bien évidemment, on ralentit, hein, pour pas arriver trop vite. Une fois, j'étais en scooter, je suis arrivé trop vite, beaucoup trop vite sur un rond-point. J'étais parti en tout droit. Je vous mens pas. J'ai pas vu ma vie défiler, mais je me suis vu tomber en fait. Il fut un moment où j'étais livreur Uber Eats et en fait une fois je suis passé dans un endroit où il n'y avait pas d'éclairage. J'étais déjà passé par cette même route en fait en pleine journée. Et je savais qu'il y avait des dodans à la con, vraiment. Voilà. Et en fait, je suis arrivé à fond. Parce que j'avais oublié, moi, cette histoire de dodan. Je suis arrivé à fond. Et bah putain, ça m'a surpris. J'ai bien cru que j'allais passer par-dessus le guidon. Donc, en deux roues, ne faites pas les fous. Hein? Le deux roues, c'est bien. Bon, après, ça va, c'était un 50 cm cube. Donc, quand je dis à fond, c'était si, là, allez, aux alentours des 45 km/h. Donc, c'est rien. Mais enfin, bon, quand même, la chute m'aurait fait mal. Hein? Mais bon, le deux roues en fait c'est bien. On a un sentiment de liberté. Mais faut pas oublier à quel point c'est dangereux. La carrosserie, c'est le corps humain. Pareil, là, je suis arrivé un poil trop vite. Alors, bon, je suis arrivé un poil trop vite parce que j'ai peut-être envie que ça aille vite. Hein? Mais bon. Alors là, faut pas que j'oublie que je vais bientôt tourner. On met le clignotant qui va bien avant de ralentir. Voilà. Nickel. Je ne sais pas quand est-ce que on va. Enfin, je ne sais pas où est le ferry en fait. Je sais qu'on se rend à l'embarcadère. Et je ne sais pas où c'est qu'il est exactement. C'est très simple, il doit pas être loin parce que je vois la mer. Je vois le port. Porto Centro, Centro, en italien, Centro, le C et le E, Centro, Centro, Station, bref, Centro, Porto, bon, on a très bien compris, hein. Enfin, vous avez très bien compris, centre et port. Enfin, en tout cas, je l'espère, hein, parce que sinon, si vous n'avez pas l'esprit de déduction, mon Dieu, vous êtes mal barré. L'italien, c'est très facile, en fait. C'est beaucoup de déduction, en fait.
Parce que entre l'italien et le français, bien sûr, il y a des faux amis comme dans toutes les langues, mais il y a énormément de mots qui ressemblent à des mots français en fait. Voilà. C'est tout. Quarante kilomètres. Ouais. Des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des mots, j'ai l'impression que je roule le R. Et je le fais pas exprès, hein, mais il y a des mots, je ne roule absolument pas le R. Et même pire, il y a des mots, je ne mets plus de R. Allez, merde. Mais en tout cas, très chic hein, le port. Un parquet. Un parquet. Parquet. Un parquet. Un parquet. Ouais. Il y a la douane. Je passe un coup à la douane. Je crois que j'ai un tout petit peu frotté. Je veux pas dire, mais je crois que j'ai un tout petit peu frotté. Je ne sais plus où c'est que je vais aller. Et vous allez voir en fait. Vous allez voir, même pour le ferry, maintenant, je rentre dans le PC et je choisis la traversée. Et effectivement, c'est Split que je vais. Où je vais. Pardon. Voilà. Donc, je suis bien arrivé à Split. Maintenant, il faut que j'arrive à sortir. Et j'ai encore 155 km. Laisse-moi passer, j'étais à contresens. Quand même. Non mais oh. Putain, ils sont pas sympas à Split, hein. Plus ils se permettent de me klaxonner là, j'aime pas ça. C'est limité à 40 km/h. Marca Marulicha. Si tu veux. Non. Schkola.
comprenez scola, comprenez school, comprenez école. Voilà, ça fait beaucoup de comprenez, mais voilà, scola est égal école. Par pure déduction, hein, parce que scola et scola, c'est presque pareil. Scola, je sais même plus en quelle langue c'est. Je crois que c'est de l'italien. De l'italien ou de l'espagnol, scola. Non, je crois que c'est de l'italien parce qu'en espagnol on dirait plus escola. Ou c'est en basque qu'on dit escola. Bref, scola ça me fait penser à scola qui me fait penser à escola qui me fait penser à école. Ouf, là il est chaud. T'as eu chaud au cul, mon pote. Fais chier le feu, les feux, putain. Putain. Putain, mais nerve ces feux là. Vous pouvez pas être tous ouverts pour moi là? Merci bien, mon ami. Vivement qu'on arrive sur la voie rapide, hein. C'est pas possible. J'en ai marre des feux, il y en a tous les 100 mètres. On n'avance pas. On n'avance pas, on n'avance pas, on n'avance pas. Je vais devoir prendre à gauche. Ok. C'est juste là. J'ai le temps de passer, vous inquiétez pas, messieurs, dames. Il a dû freiner un tout petit peu, mais j'avais le temps de passer. Bon, là va y avoir un petit problème. Monsieur, laisse-moi passer, monsieur. Voilà. Là, je freine parce que sinon. Mais pourquoi il va là? Il est con. Bah oui, il était con. Il est con. Ma parole, il est con. Ils ont incité le passage, hein, COSEF. Oh, mais putain. Fait chier. Je peux pas rouler comme je veux. Bon, c'est 50 km/h. Maintenant c'est 80 km/h. Allez hop. Hop hop hop. On a quitté Split. Pourquoi il y a un feu ici? Ça sert à quoi le feu? Ça sert à rien le feu. Vince.
Ah, peut-être qu'on va avancer plus vite. Mais qu'est-ce que c'est joli. J'arrête pas de le répéter, hein, mais qu'est-ce que c'est joli. Je le rappelle, hein, c'est la première fois que je viens là. Qu'est-ce que c'est joli. Putain. Qu'est-ce que c'est joli. Un péage. Donc je me mets à 30. Parce que comme ça, je ne suis sûr de pas me prendre la barrière. Puis on retourne bah, vitesse indiquée. Voilà. Par contre, on va tout droit, on ne prend pas à droite. Donc voilà. Et c'est magnifique les montagnes avec le coucher de soleil. Waouh! Sublime! Sublime! C'est magnifique! Alors, normalement, il y a des aides à la conduite, notamment détection de marquage au sol et rectification de trajectoire. Et mon camion, il est trop vieux, en fait. Il n'est pas doté de ce système. Trop vieux. Non, je l'ai acheté d'occasion et il n'y avait pas les ces options-ci. Voilà, je vais les rajouter à un moment, mais faut que je regarde au niveau des sous combien il reste sur le compte de l'entreprise. Si on a Si j'ai atteint les 100 000, parce que avant de d'améliorer mon poids lourd, j'aimerais bien me prendre un salarié. Balkan Trans. Trans. Balkan Trans. Trans. Polar Fish. Oula, lui il vient du Nord. Polar Fish, c'est une entreprise du Nord, je crois. Il me reste pas longtemps. 39 km et 37 minutes. Hey. Suprema là, dégage.
Voilà. Oh, j'ai mal réalisé la conduite là. Ouf, putain. J'ai très mal réalisé parce que le camion là, j'ai pas vu où il était, mais il aurait pu me rentrer dedans. Hein. En vrai. J'aurais dû faire plus attention. Je ralentis comme ça, il me passe. Devant, je passe derrière lui. Yeah. Ouf. J'ai tourné un peu trop la tête. Devrait plus être très très loin. Hein. Parce que je vois sur mon logiciel, il nous reste 4 km. Bah, voilà, on est arrivé à Zadar. D'accord, sympa. Il y a des bateaux. C'est une ville côtière, Zadar. Pourquoi j'ai pas accès au port? C'est interdit aux poids lourds, le port. De raciste. Non, je déconne. S'en fout. Adrica, Adrica. C'est par là, tout droit et à gauche. Et à gauche. Ouais, d'accord. Oula. Ah ouais, ok. Challenge accepted. Accepted. Alors, déjà, mission. Faire entrer la remorque dans le hangar. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Oula. Tout va bien se passer. Voilà. Vous voyez, j'ai pas accroché le camion. Par contre, j'avais accroché autre chose. Voilà, maintenant. Faut que
Je me ravance. Je me concentre un petit peu parce que c'est un endroit quand même un peu exigu. Et voilà. Je fous vraiment n'importe quoi. Plus ou moins bon là. On redresse. Voilà. Et là, maintenant, on regarde ici. Et on est mal barré encore. Trop parti, je pense. Peut-être, ouais, ramasser, mais comment? L'autre côté. Ah, bah, de l'autre côté, on est à peu près bien. Bon, bah, on va rester comme ça. Non, j'ai pas à faire de coupure. Moi, je détaille, et puis on se dit bah, plus tard pour. La prochaine livraison. Bon, alors, j'ai rien d'autre à rajouter. Ciao.